Et re, bah finalement, ça sera petite pizza au four. Ça va être bien bon tout ça. La pizza Volcana Picard. J'attends toujours le partenariat Picard, mais je crois que j'attends longtemps. Qu'est-ce qui se passe si je l'allume? Ah, je la dalle. Je crois que ça fonctionne. Ah. Voilà. Allez. Allez, mes chéris, dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et tu dis ce que tu veux. Je veux juste entendre votre voix et la garder plus tard. Papa, je chante. La 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 la. C'est un petit père de famille, le Derval? On dirait pas le monstre l'écrit, là. Voilà. Une chanson et un rire. C'est encore mieux que des mots. Et je pourrais les écouter à tout moment. C'est terminé? Alors, au lit, petite puce. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Elle est partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Les raids se rapprochent de Prime Source. Combien de temps est-ce qu'on pourra encore se cacher? Un souvenir de sa famille. Ah! Plus rien à perdre. C'était à l'époque où tout allait bien encore. Des notes de fabrication. Oh. Et une lettre glissée entre les pages. De la flambée, en direction de Méridian. Si on la trouve, on trouvera sans doute Derval. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ces machines? Est-ce que je veux le savoir? Ouais, la carte à escape Picard, moi je suis preneur, hein. Je suis chaud. Hein. Je suis chaud. Hein. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais je dois m'occuper de ma sœur. Enfin, t'as... Oui, bon, après... Bon. Why not? Alors... Donc, quête. Le soleil tombera à Nécropole. La chanson, je crois que j'ai fait toutes les... Ouais, voilà, après, c'est les... Ok, on va continuer la cette quête secondaire. Je vais aller NTP. Alors, oh pétard. Ah oui, c'est loin. Heureusement, il y a les TP limités. Bon, dans 10 minutes, c'est pizza. J'ai trop trop faim. Alors, j'ai la dalle. La gigadalle. Putain, la dernière vidéo, c'est vraiment les montagnes russes en ce moment, les vidéos YouTube. Un coup, flop complet. Genre la vidéo, l'ambidextrie bouclier, flop complet. Et là, la dernière vidéo, c'est un carton de folie. Je sais pas trop pourquoi, parfois. C'est vraiment rigolo, hein. Je dis que là, par contre, on dépend complètement de l'algorithme de YouTube, hein. C'est un délire. Parce que là, la dernière vidéo, elle a fait déjà plus de vues que la précédente en 5 heures. Alors que l'autre, elle a 48 heures. C'est parti. Attends, je vais faire une petite sauvegarde. 8, ça sera fait. Je sais pas combien d'heures de jeu je suis, là. Sur Horizon. Parce que là, en vrai, je vais lui mettre 30 ou 40 heures. Je pense que je vais le détruire, le jeu. Je suis à combien? Je suis à peut-être moins qu'on puisse faire cette OS game. Je suis à 27 heures de jeu. Ah ouais, non, il y a moyen quand même. Hein. Parce que il est pas si long, en vrai. Mais alors que je pense que déjà demain, je me l'émerde pas trop mal. Non, 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 c'est pas jamais ça, Kenshiro. Je fais parfois les titres un peu... J'aime bien un peu la provoque, tu vois, mais pas... En fait, je veux juste que ce qui va être dit dans la vidéo... reflète, enfin déjà ce sera un vrai contenu, et en fait que le titre reflète le contenu de la vidéo. Je peux formuler parfois de manière un peu aguicheur, tu vois, mais j'aime pas le top 10 des jeux, le quatrième va vous surprendre, tu vois, non, enfin voilà. Faire un top, pourquoi pas, parce que parfois quand il y a un top, ça arrive de faire des tops, tu vois, en mode bon bah quels sont les 10 mots RPG qui ont plus de monde du moment, tu vois. Voilà, bon ça c'est un top, c'est comme ça. Mais j'aime pas le côté trop putaclic. Après, YouTube, c'est vrai que c'est vraiment particulier comme environnement, quoi. C'est ça, tu vois, enfin, je trouve ça presque honteux, en fait. C'est ridicule. C'est pas ce que j'imaginais quand j'étais gamin. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si j'ai... Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie... Tu la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom?
Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Eren, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. À plus tard, Mitra. Bonne journée. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert? Ah, j'aime bien ça. Est-ce qu'elle a, en jugement, est-ce qu'elle a pensé à vous? Ce n'est pas le moment, c'est une vraie question, tiens. Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Eh, hey, c'est Mère Barbe. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Ok, rejoins l'entrepôt. C'est parti. Mais ouais, donc on va pas mal avancer la quête principale quand même aujourd'hui. Surtout que là, les. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je finisse la quête principale demain ou jeudi en vrai. Hein. Donc je pense qu'on. En vrai, Ika, plus j'y réfléchis quand je vois où j'en suis dans le jeu, t'es là ou pas, Ika? Parce qu'Ika m'a demandé sur les OS Games. Et j'ai dû révéler un des jeux des OS Games. Enfin, poser la question et j'aime pas mentir. Donc je savais pas comment te le tourner autrement. Mais ouais, résultat. Je pense qu'on pourra peut-être les faire, ces putains d'OS Games de la hype. Hein. Il y a peut-être moyen. Ça va être la guerre, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être une guerre de folie. Hein. En vrai de vrai, là, cette quête, elle prend. Elle va sûrement prendre quelques minutes. Je vais juste aller faire la zone corrompue là tranquille. Parce que ma pizza en fait est prête en 3 minutes. C'est complètement con sur l'instant une guerre principale, vous voyez. Alors que je vais manger quoi. Donc je vais faire juste la petite zone corrompue là, ça sera fait. Et ensuite on fait la quête. Hein. Ça qui est bien, c'est que t'as toujours les petits objectifs secondaires à faire si besoin, quoi. Plutôt cool. Putain, les cannes de rivage et la thune, je commence à en manquer, en vrai, pour faire des... J'ai plus beaucoup de compos, hein, ça devient compliqué. Faudrait peut-être que je refasse des quêtes secondaires, en fait. Ah, mais non. Oh, tiens. On peut cracher. Comme quoi, on peut cracher, hein, sur la PS5, le chat. Allez. Bim. Eh ben tiens. Eh ben voilà. Ok. Tiens, merde. Brutal Smite, tu te posais la question de Nioh? Pour Nioh 2, tiens, il est là. Tiens, God of War, ils ont changé. Bon. Il y a même Nioh 1 qui est là aussi, d'ailleurs. Grâce à vous, d'ailleurs, Nioh 1. Je l'ai pas du tout joué en 9. Hein. C'est ça. Puissance de la pizza. Trop forte cette pizza. Point faible. Pizza trop forte. Bonne journée Kenshiro. A plus tard. Ah oui. Là par exemple, oui, on était monté à 130 viewers. On est redescendu à 80. Bon, pourquoi? Est-ce que mon stream est différent? Non, j'ai pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 14h. Les gens sont venus pendant la pause déjeuner et sont partis derrière. Ce qui est normal, mais... Quand je vous dis qu'il faut toujours analyser les stats, je suis pas devenu moins intéressant ou plus intéressant. Je suis pas plus intéressant il y a une heure que maintenant. On blablatait un peu, mais voilà. C'est juste, ouais, par exemple, ça c'est la pause déj pour la petite blague. Ah, il y a le four qui bip, j'arrive. Et re. Tada. Ça va être bien bon tout ça.
Bon, j'ai le temps de faire la zone corrompue. Elle est parfaite, mais elle doit être bien brûlante. Je vais vite faire la zone corrompue, voilà. Ah, j'ai la dalle. Je vais la démonter, la pizza. En mode porte de camping, sortie de prison après 20 ans. T'as cette chanson de Max Boubli, d'ailleurs. Incroyable. Elle va prendre très très cher, parce que j'ai la giga dalle. Pas bien, ça. Écoute, hein. Quand on est... voilà. Il faut bien assouvir ses envies d'une manière ou d'une autre. Alors... Putain, j'ai l'été indien en tête, quoi. J'en peux plus, hein. J'ai la chanson l'été indien en tête depuis des jours. Ce soir, Red F... on va tellement se faire allumer, en vrai. L'été indien, quoi, Joe Dassin. Zone corrompue. Ah, les pigeons, ils peuvent être aussi corrompus. Oh, de la merde jusqu'au bout, hein, c'est piaf. Hein. Ta-da-da. Vous aussi, vous avez des vieilles chansons françaises parfois en tête, ou y'a que moi? Parce qu'en fait, on a remarqué qu'avec mes potes, qu'il y a toujours quelqu'un pour mettre une chanson, comme on est plus ou moins en coloc semi-permanente. On se demande comment ça se fait qu'on les a en tête, en plus, ces vieux trucs, tu vois. C'est fou en soi. Oh, les dégâts! Sérieusement? Bouge, non! Oh merde! Ok, toi tu crames. Ok, next. Non. Allez, tombe le pigeon, tombe. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Non. Après, s'il n'y a pas, je veux pas t'écouter ou je sais plus quoi. Je connais évidemment pas les paroles, hein. Ah, je connais pas ça, Dolly. Hein. Je perdrai tes blind tests, tiens. Si je vous dis que moi je veux bien travailler parce que je suis streamer et que je suis un connard. Ça le fait ou je passe encore plus pour un connard? Qu'est-ce qu'il en résulte? Crame, enfoiré. Viens là, toi! On fait comment dans ce cas-là? Elle brûle! C'est bon, elle est vide là? Super, je suis bien tombée. Ah non, elle est pas encore vide. Je pense qu'après ces trois là, elle sera vide. Je suis chaud! Le petit feu d'artifice quand tu tires sur leur dos, c'est vraiment joli, hein. Et voilà, je vais pouvoir manger ma pizza en bonne et due forme, avec joie, avec tranquillité, tout ce que j'aime. Alors, compétences, que j'ai un truc intéressant. Ah oui, c'est ça le prochain truc que je veux. Plus de ressources, je go faire modo. T'es modératrice chez qui, Dodi? Tiens, je suis curieux, c'est pas indiscret. Je suis toujours curieux quand les gens sont modérateurs. Je vais mettre ça de côté. Tiens, tu m'as mis que j'ai... Après la pizza... Oh bah ouais. Moi c'est plutôt corde à flémarder. Ça ne veut rien dire, mais je comprends l'idée, quoi. Da. Chez mon modo. Ah, c'est stylé. C'est ce qu'ils appellent un échange de bons procédés. On est en plein dedans là pour le coup. Ok, je mange. Petite vidéo.
petite pause. Alors. Donc, en vrai, elle est cool la vidéo. Bah, tu sais que ça elle cartonne cette vidéo-là, hein. Je sais pas pourquoi. Mais, moi j'aime toutes mes vidéos, mais là, celle-là, elle cartonne quand même vénère. Elle, hein. Là. Bon. Salut, Valkaklos. Je l'ai gobé la pizza. Genre en mode gobage hard. Zone corrompue 27. Hein. Et c'est quoi cette zone corrompue là? Elle est où? Elle est tout là-haut. Bon, on va aller la faire, c'est juste à côté. Attendez, j'ai un truc, voilà. Yes, après, t'as toujours les droits. En fait, je sais plus comment il est le droit en France, je crois le droit anglais là-dessus. La différence entre le droit, en fait, de composition et d'interprétation. Hein. La personne, en fait, qui crée la musique, bon, bah, là, c'est libre. Et le droit d'interprétation, tu vois, par exemple, tu prends une partition de Mozart. Si tu la joues, j'ai le droit de la jouer au piano, j'aurai pas de problème. Si par contre je vous diffuse un orchestre qui l'a, ou un pianiste qui l'a reprise, là c'est autre chose. J'aurais pas forcément le droit parce qu'il y a le droit de l'interprétation. Et c'est pas la même durée toi là-dessus. Hein. Bon, on va aller faire la petite zone corrompue là. Post-pizza là. Je l'ai éclataxe la pizza. Wow. Je l'ai éclataxe Maximax la pizza. Hein. C'est quoi ça là? Ok, on a du gros. Hein. On a un ravageur et on a un boursouffleur. Deux ravageurs. Ok. Non. Dernière flèche. Yeah, je l'ai eu le canon, je crois. Ok. Bouge! Wouah! Je croyais que t'étais dehors, mais je t'entends le balcon. Ah oui, mais en même temps, t'as ouvert ta fenêtre, toi, non, Pouki? T'es juste en dessous de moi, c'est normal. Si t'as ouvert ta fenêtre, Pouk-Pouk. Ouais, j'ai les fenêtres grandes ouvertes, hein, c'est pour ça. Salut, Pouk-Pouk. J'ai fait un peu de quête principale, t'as raté ça. Quand même, alors, parce que pour le coup, on a pu le tester avec les voisins, les fenêtres double vitrage à l'Orox, hein. Pourquoi Mélise? Bon, c'est reparti. Putain. Ok, je l'ai. Je l'ai eu le canon ou pas? Non, je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Ok, c'est parti. Faut aller le choper. Hein. Que je suis mort, mais bon. Oh la vache! Le canon c'est cool, mais alors si j'ai le malheur de Palestine, je vole en mode hardcore du Nord. Hein. En mode vénère. Je vais y arriver. Putain, j'ai plus de bombe déco. Non, le gel c'est vraiment trop bien, ça faut que je le garde. Ah, j'ai ça! Canon, c'est cool, la vie encore plus. Ouais, c'est un peu l'idée. Un peu le résumé de la situation. Bon. Non. Là, je l'ai, là. Ok, on est bon. Sérieusement? Lui par contre il l'a toujours son canon.
casse les couilles, lui, hein. Ok. Wouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très 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 chaud. Ok. Ah oui, on a évolué. Attends. Bam. Bam. Non, j'avais quasiment fini. Ah. Quel enfer, j'ai trop bien. Oh, en vrai, j'aurais juste dû la m'acharner sur lui. Eh oui. Eh oui. Ah, mais là, les composants commencent à manquer. Hein. Tu sais, les cannes de rivage commencent à manquer, moi, Pouk Pouk, hein, pour te dire. Allez. Putain. Ça m'aidera. Ok, j'ai chopé le canon. Ok. Putain, sérieusement? J'ai tellement pas visé. Putain. Je chope. Je l'ai. Je l'emporte. J'avais qu'un arc, c'est-à-dire Pouk Pouk. Attends. Maintenant, c'est l'heure du carnage. Allez. Bon. Ah, 8000 XP quand même. Hein. Pas mal. Il n'y en avait effectivement que 3. Après, c'était 3 gros, mais bon. Ah non, mais les canons de ravageur, ça... c'est vénère. En fait, je détache les composants Amélis des mobs avec certaines flèches et pour les défoncer, quoi. Ah oui, en termes de flèches. Oui, c'est possible. D'accord, je vois ce que tu dis. Je viens de comprendre ma... Yes, c'est sec, Pouk Pouk. Toi, t'es encore dans ton lit, non? Toi, t'es pas encore sorti de ton lit, t'es sur ton téléphone. Hein. Tu parlerais plus vite, sinon. Ah non, je t'ai entendu dans la douche, en plus. Ah non, tant pour moi, je t'ai entendu sous la douche. Donc tu profites de ton fantastique deuxième écran fondu. Hein. C'est beau. Bon, où est le réceptacle antique? Où est-ce qu'il est? Mais donc ouais, on va. Le but du jeu, pour vous dire, c'est d'essayer de finir l'histoire principale d'Horizon demain soir, voire mercredi. Et comme ça, on fera les OS games. On fera les OS games de la hype mercredi soir comme prévu. Enfin les votes pour le faire jeudi. Pour le faire samedi. Si mes calculs sont bons, on est bon. C'est-à-dire que là, je suis déjà à presque 30 heures de jeu sur Horizon. Ah putain, mais je suis full ressources.
Par contre, tu vois, là où j'ai un vrai problème, c'est côté ressources. Et je sais pas quoi en foutre. Ça, c'est un vrai galère, les ressources. Hein. J'en ai trop. Hein. Et par contre, j'ai pas trop de canne à arrivage. Hein. J'ai essayé le crotal, tiens, Pookie. Hein. J'ai pas trop aimé, par contre. J'en ai juste trop et je sais pas quoi en foutre. La moitié d'entre elles, quoi. C'est délirant. Artisanat. Attends, je peux pas crafter genre des munitions ou autre. J'essaie d'en consommer un max, hein, les potions, mais c'est pas facile. Hein. Sur anti-feu. On va déjà faire full racine. Stockage ici, je peux pas améliorer plus. Ensuite, les munitions. Même la thune. Putain, mais ouais, le crotal, il m'a coûté cher. Je suis un peu déçu quand même. En fait, je suis un peu déçu des dégâts, quoi. Je pensais que ça ferait plus mal. Hein. Bon, bombe de gel, c'est le feu. Oui, j'essaie de consommer... Ah non, mais le crotal, je m'en tape maintenant. Lance-cage, je m'en fous. Le lance-corps, par contre, je trouve ça génial. L'arracheur, pareil, je suis pas grand... Bah, j'ai pas accroché plus que ça. Bah, écoute, l'amélioration de stock, je les ai quasiment toutes. Ah, tu parles de ressources. Ah, je sais pas si j'ai, hein. Tu vois, il y a marqué pas d'autres améliorations disponibles. Donc c'est déjà à fond, je crois, Pookie. Hein. J'ai déjà 100 places. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... quand j'aurai 3 points de compétence, je pense que je vais faire ça, tu vois. Accumulatrice. Mais à part ça, enfin, je suis à fond. Hein. C'est juste l'enfer. Hein. C'est juste que c'est compliqué, quoi. Je suis à 96 sur 100 et j'essaie de vendre, mais bon. J'en tue des trucs, donc... ah, j'en manque pas, quoi. C'est vrai que je peux décomposer les trucs à la limite. Je pense qu'il faudra peut-être que je décompose un peu les trucs que j'ai vraiment beaucoup en stock. Genre la flambée, les luettes et tout quoi. Après j'ai encore rien fait de tous mes cœurs, c'est peut-être ça le problème. Tous mes composants là, j'en ai jamais rien fait. Cœur de porte-mort, de... cœur de machin truc quoi. Peut-être ça le souci en fait. En zone corrompue, elle est finie. Ah merde, diacticier, attendez. Tuer les ennemis humains aux F. Tracker et haut de patte avec des carreaux électriques. Crotte, bon. Arme, on va quand même le faire. Faire les quêtes, c'est important les quêtes.